Salut à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce cinquième épisode d'Obduction. Donc, dans cet épisode, nous avons été chargés d'aller enquêter du côté de l'arbre et en même temps de rebrancher une batterie sur le haut passage, d'après ce que je m'en souvienne. Donc, la batterie, je pense qu'on l'a déjà fait. Donc la batterie, j'imagine que c'est ça. Et donc on l'a branché. Enfin, en tout cas, on a branché le câble. Même si ce câble, je ne vois pas où on devrait le placer. Ensuite, on doit aller jusque l'arbre. Malheureusement, je ne sais pas par où passer non plus. Puisque pour aller à l'arbre, par ici, c'est bloqué. Par en bas, nous, on a vu que c'était bloqué aussi. On peut toujours essayer de marcher sur le tuyau, même si je n'y crois pas trop. C'est bien ça, c'est bloqué. Que nous reste-t-il? Essayer de passer par en dessous, mais il faut trouver un endroit pour descendre. Alors, ce câble, ça ressemble fort à ce machin-là. Est-ce qu'on devrait, par hasard, trouver de quoi faire une rallonge. Ok. On continue. On va aller voir du côté de l'arbre ce qui se passe. Un tour de potier. Toujours la même mise en garde. Rien de spécial, on entend un insecte. C'est la seule maison qui est ouverte. Donc par ici, il n'y a rien. On va grimper un escalier ici. Donc l'arbre. Passer là-dessus. C'est fermé. Ici, il n'y a rien à activer. Vu qu'il y a un écran ici,
Je suppose que ça devra s'ouvrir en appuyant sur un bouton. C'est un système automatique. Mais je ne trouve pas. Donc ce n'est pas par ici. On peut toujours faire le tour et aller voir de l'autre côté. Donc c'est ouvert. Ok. Là c'est toujours fermé. Ok, on avance. Donc là, c'est pas possible de passer, il faut arriver par l'autre côté. Et donc, je suis occupé de me demander si près du garage, il n'y aurait pas quelque chose. Je ne sais pas passer. Ici en haut. On va grimper déjà. Donc il y a une porte là qui est fermée. Voilà. Ici en haut, ben, il n'y a rien de transcendant si ce n'est qu'on peut aller ici. J'imagine qu'il y aura quelque chose à poser sur ces plateformes, sur ces stèles. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Voilà. On va regrimper une fois à partir du garage. Là, on grimpe. Ici, il n'y a pas grand-chose. Faudrait pouvoir grimper. Mais je ne peux pas pour l'instant. C'est peut-être un raccourci pour la suite. On avance. Il y a notre engin qui est là. On a la chute d'eau qui est là-bas. Il y a un chemin juste là. Doit venir de par là. Donc on va
traverser le portail pour voir où on arrive du côté des tombes. Donc ici on a le chemin. Pour les rails. On arrive là, ok. En fait, c'est à l'opposé chaque fois en passant par le centre de la sphère. Et donc, si je veux aller plus loin de l'autre côté, je dois passer par ici. Et il n'y a rien. On arrive à la maison. Pas grimper. On arrive ici. On avance au maximum. Et on arrive quand même ici. Ok. Donc de ce que j'en vois, c'est qu'il faudrait arriver là. Pour arriver là, faut qu'on passe par l'autre côté. Donc il faudrait qu'on aille là-bas, près de l'antenne. Ici, ça donne où? Ça donne là, ok. Très bien. À ce niveau-ci, tout va bien. Si je suis bien la logique, on doit continuer par ici. Donc là, on ne s'est pas passé, on est obligé de monter par là. Ici, il fallait un code qu'on n'a pas. Et ici, il y a peut-être des chances que ce soit par là. Un bingo! Est-ce que ça mène ça? Petit chemin dans la montagne. Je suis curieux, hein, c'est tout. Ne m'en veuillez pas. Ah, c'est bien.
Alors, je ne sais pas ce que c'est. Oui. Petite baisse de framerate. Trop de particules à afficher. Je ne peux pas bouger. Et je ne sais pas où je suis allé. Très bien, une nouvelle zone. Dans la montagne, mais différente. Très bien, j'imagine que c'est une prochaine zone à visiter. Tiens, il y a une bestiole là-haut. Donc je vais essayer de revenir. En espérant que j'ai pas foutu en l'air ma sauvegarde. Bon, j'imagine qu'ils auront prévu le coup. C'est bon, ils ont prévu le coup. C'est beau cet effet de particules, mais qu'est-ce que ça bouffe en ressources, hein? D'accord, on arrive ici. On appuie sur ce bouton qui fait descendre l'échelle. Parfait. On a débloqué un petit passage. Un petit raccourci. Ici, on passe de retour. On retourne de l'autre côté. On sera de retour au niveau de la cascade et on pourra aller plus loin. J'imagine en tout cas. On avance, c'est déjà ça. Donc j'arrive ici. Hop. Voilà. On arrive du côté de la cascade. J'ai pas trop le choix pour avancer. Alors, on va pas faire la grotte tout de suite. D'accord, je me suis fait avoir. Bon, on va faire la grotte tout de suite alors. On arrive ici. On peut passer par là ou bien descendre. Vous remarquez que la musique a changé.
je n'ai pas trop le choix. Hop. Ah, là, il y a quelque chose. Bon, eh bien, c'est un autre portail. Joli, très 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 joli. Ça mérite le coup d'œil, franchement. Avec un peu d'eau. Et une porte qui a l'air d'être dans une technologie inconnue. Tant pis, on n'ira pas pour le moment. Pour l'instant, on m'a demandé d'aller voir l'arbre. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je retourne en arrière. Je dois remonter, je dois aller fermer en fait ce portail avec les... avec la rivière. Ça va être beaucoup d'aller-retour, mais bon. Voilà, je suis revenu. Je reviens là. Il faut que je retourne en arrière. On arrive ici, donc ça c'est fermé. Donc je sors ici. Je reviens par ici. Là, on est juste en bas. C'est la porte avec le code. Heureusement, on a débloqué des raccourcis. Ici, je reviens pour fermer la porte de la chute. Comme ça. Et on tire. Voilà. Comme ça, la plateforme en haut est bonne.
Maintenant, il faut que j'aille de l'autre côté. Oui, je peux aller juste là. Voilà, je suis les rails de chemin de fer. Tranquillement. Je peux descendre, je peux prendre la rampe que j'ai activée tout à l'heure. Un petit raccourci qui en même temps ne m'embête plus au niveau de l'ascenseur, même si c'est pas vraiment un ascenseur. Mais je ne dois plus penser à l'appeler. Je peux courir. Voilà. On va arriver là. On va arriver donc de l'autre côté. Près de... C'est ça. Près de la chute d'eau. On descend. Et on peut passer. À partir d'ici. On peut activer ça, voilà. Un petit raccourci en plus. Comme ça, je ne dois plus dépendre de la chute d'eau. Et on avance ici. Pour arriver, en théorie, du côté de l'arbre. Oui, l'arbre est plus loin. Ah ben, c'est du côté de la tour plutôt. Et nous allons nous arrêter là pour cette session. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, vous pourrez voir la suite prochainement, mais il y a d'autres vidéos à regarder en attendant. Sur ce, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Bye.